L'ex-première dame ivoirienne Simone Yves Gbagbo a réagi suite au décès subi de Maître Kwasi André. La disparition subie de Maître Kwasi Kwaku André, membre du conseil stratégique et politique du Parti de peuple africain Côte d'Ivoire, laisse dans l'émoi camarades de parti et anciens compagnons de lutte. Simone Gbagbo Inconsolable. Dans une déclaration publiée jeudi sur sa page Facebook, l'ancienne première dame ivoirienne Simone Yves Gbagbo, dans la nuit du mercredi 26 avril dernier, « Une fois de plus, la mort vient d'arracher à notre affection un camarade de lutte de longue date, Maître Kwasi Kwaku André », a exprimé avec tristesse l'épouse légale de Laurent Gbagbo. Je garde de lui le souvenir d'un militant infatigable, affable et fortement engagé. Je garde de lui le souvenir d'un militant infatigable, affable et fortement engagé dans la formation politique des camarades, a-t-elle témoigné. Je m'incline devant sa mémoire et présente mes sincères condoléances à sa famille biologique, à sa famille politique et à tous ceux qui l'ont connu et côtoyé, a exprimé l'ex-première dame. Ancien membre du Conseil constitutionnel et conseiller spécial de Laurent Gbagbo, sous le régime des refondateurs, Maître Kwasi Kwasi André est décédé subitement dans la nuit du mercredi 27 avril 2022. La veille, il avait pris part à la session extraordinaire du secrétariat exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire convoqué par Laurent Gbagbo, le président du parti. Réunion à l'issue de laquelle l'ex-chef de l'État a procédé à la nomination des présidents intérimaires de la Ligue des Jeunes et la Ligue des Femmes. Lire aussi. Simone Gbagbo précise enfin, « Ma vision pour la Côte d'Ivoire est la même lorsqu'on crée le FPI, afin d'honorer la mémoire de l'illustre disparu, le parti a décidé dans un communiqué publié jeudi, de suspendre toutes ses activités politiques pour une période de 3 jours. »